Nous saurons quelle équipe décroche le titre 2023. C'est parti à l'Astrobal. Mismatch, elle est passée. C'est bon, Smalls, ça peut pas. Sur la main gauche, l'élégance de cette joueuse. Mais c'est surtout Connor Hawks, l'agressivité sur les pick and roll, hein, ça fait reculer l'Asvel pour l'instant. Ça propose exactement le même début d'action. Et c'est Sandrine Gruda qui trouve la première ficelle. Salin qui fait un step back. Et voilà. On les hostilités sont lancées. Vous avez vu la bonne défense, elle a été un petit peu surcoulée. Elle est loin, Marine Johannes. Elle a pris ses repères depuis samedi. Lériou, bien sûr, la passeuse. L'instinct de passeuse et l'instinct de scoreuse de Marine Johannes. Elle a un message à envoyer ce soir. Smalls, c'est elle qui s'infiltre. C'est elle qui arrive à faire des différences. Elle passe comme des gruyères. Mais c'est aussi... Il est pas beau ce duel là. Il est extraordinaire ce duel, le duel d'expérience de vétérante. Il y a une joueuse qui est vraiment dans les meilleures conditions là pour ce début de match 3. Diallo qui repique vers l'intérieur pour défendre sur Siak. En attendant, ça shoot de loin avec Blake Dietrich. Diosité. On part dessus, le timing excellent et cette fois, elle ne s'y reprendra pas à deux fois, Elena Siak. Ça rentre direct. Ah, l'option pick and roll, hein, vous avez vu, ça, l'aide vient de très très loin, donc c'est un peu. Elle va aller vite jusqu'au bout, bien sûr. Elle arrive à mettre en grande délicatesse sur son Alexia premier Châteauro. Pas. Elle va trop vite, son premier pas pour Alexia Châteauro, même si elle fait des efforts, ses déplacements latéraux, parfois ça laisse un peu à désirer. Ah, la joueuse sous-côté par excellence. Regardez ce drive de Myriam Djekoundadé, redoutable. Regardez. Et surtout Kennedy Burke. Et Burke est dans ce qu'elle aime faire. Hein. Dans l'intensité. Intercepter et aller mettre des paniers faciles sur le ballon, sur les pick and roll. Marine Johannes qui déclenche avec l'aide de la planche. Johannes. Elle n'a pas osé prendre le tir. Il va falloir trouver une solution. Là, il reste 5 secondes. Et ça va finir. Au bout. Attentif, sans doute. À toute cette cogitation, comme le tir de Julie Allemand qui fera l'euro basket. De percuter, il faut continuer, c'est ça qui leur a permis d'aller au match. Allemand, elle peut en mettre. Allemand, elle en met aussi. Gros temps fort pour l'Asvel. Et Julie Allemand qui demande à tous les supporters de se mettre debout. De Raffut. Elle est en confiance. Elle est en confiance. Julie Allemand. Elle a déjà gagné un titre avec l'Asvel en 2019. Elle veut aller en chercher un deuxième. Je me suis fait engueuler par Alexia Châteauro. Elle me dit, Alexia, elle te pousse. On l'a dit. Il y avait un refus hein, tout à l'heure. Camille Smalls. Ouh, elles étaient bloquées à 0 sur 5. Bah, celui-là, c'est le plus difficile de la soirée. C'est mis debout à l'Astrobal. Bah, Camille Smalls pour égaliser. Bah, égalisent. On a le match 3 parfait pour les fans de basket. À l'issue des 20 premières minutes, 37 partout pour calmer, pour mettre une petite clim à l'Astrobal. Dans 20 minutes, on saura. Marine Johannes pour peut-être son dernier match en Europe. Elle qui devrait quitter l'Europe pour la WNBA. Écoute, Dadé, elle doit sanctionner. Oh, Diaby, elle est le rebond énorme de Kariata Diaby. Toujours bien placé. Elle avait fait l'effort, elle avait fait le box-out quasiment sur son... Rebond, Châteauro. C'est fort ça. Force. Ah, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la force bien sûr pour le contact, mais Allemand, ça passe. Bien joué. Elle a ouvert une porte. Ouais, bien joué, vous avez super vu ça. Sur le pick and roll, ça sort fort et derrière, comme ça choue en fer à cheval, il y a de la place dans la raquette. Superbe passe à terre, bien glissé pour Sandrine Gruda qui essaye de pousser. Smalls, elle va le prendre. Smalls, elle en a mis deux. Elle en met trois maintenant. Et c'est la seule qui shoot de loin. C'est la seule qui arrive à trouver des ficelles lointaines. À trois points, bien sûr. Biocité, on l'a pas encore vu au scoring. Biocité, qu'est-ce que c'est fort ce qu'elle vient de faire, la percussion. Au stop, bien sûr, il faut envoyer le ballon à l'intérieur. Claude Nerio, elle peut pas arrêter Châteauro. Elle reste droite, mais elle pourra rien faire. Ah, oui, bien sûr, l'aide doit venir là. Alors qu'il y a un petit jeu de regard et derrière, attention parce que. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. 14 rebonds partout. Herio, à 3 points, ça donne. Ah, la sanction, elle n'est pas respectée du tout. Qui est allumée sur 3 fautes, mais ça doit être la 3ème pour Salin. Elle est passée, Marine Johannes. Oh, ce panier, il est monstrueux. Le 2+1, et toute la salle de l'Astrobal l'accompagne. On sent qu'elle avait besoin de se libérer. Elle avait été plutôt pas mal sur la première mi-temps. Et... Christelle Diallo, quelle qualité de finisseuse. Attention, le repli défensif n'a pas été bon pour le SBVA.
Mais on est sur quoi comme match là, Lucas? On est sur quoi? Oh, vous avez vu comme elle a été intelligente, la fin de main à main. Salin, le catch de Salin. Le réveil de Salin. Johannes pour lui répondre. Celui-là, il est à 3 points. Marie Johannes. MJ. La fée. Qui plante son petit coup de baguette magique. Johannes pour lui répondre. Celui-là, il est à 3 points. Elle va avoir envie de jouer, elle va avoir envie de jouer, passée. C'est trop facile pour elle. Marine Johannes sur le hang time. Burke sur l'essence technique. Burke, elle va se régaler devant Quevedo. Burke, ouais, qui fort, transperce le cercle. Quevedo qui se fait pas passer, qui est toujours entre le ballon et le cercle. Petit, il rentre encore. Burke, le show Burke maintenant. Elle répond aux critiques. Et Gruda qui vient égaliser. On va avoir. Restez avec nous. C'est posté. Caroline Herriot qui regarde autour d'elle. Peu de solutions. C'est bien fermé devant Burke. Qui met tous les tirs. Burke, le shoot de Burke. Qui êtes-vous, Madame Burke? Dietrich. Très bonne lecture de Dietrich. Ouais, je regardais. Elle doit peut-être négocier quelque chose. Sandrine Gruda dans les moments importants. Décisive Sandrine Gruda. Sans aucun doute. Rebond Smalls. Ouais, Smalls qui fait les efforts quand même. Smalls qui se retourne. C'est fort. Là on voit les vrais Smalls. L'Asvel va le faire. L'Asvel va remporter un deuxième titre de champion de France. L'Asvel l'a fait. C'est terminé à l'Astrobal. Elles sont invaincues dans leur salle. Deux matchs de suite. Ça fait 2-1 à l'arrivée. Et le titre, le doublé. Championne d'Europe, championne de France pour les filles de Gauthier. Énorme, énorme. Elena Sacco en larmes. Elena Sacco en larmes. Beaucoup de larmes en effet. Beaucoup beaucoup de larmes, Lucas, là. Devant plus de 4500 personnes, Lyon, champion de France 2023. Les Lyonnes pour le doublé, championne d'Europe, vainqueur de l'Eurocup et championne de France. À ces images, Fred. Ça vous plaît, hein? C'est normal, c'est beau.